Vous me comblez d'honneur, vénérable guide, merci. Oui, bah c'est comme ça que je parle à mes chats. Ça va, ils sont bilingues, ils comprennent, hein. Such a petit chat. Such a petit chat. Ça va, ils sont bilingues, ils comprennent, hein. Je sais, je fais t-shirt. On va créer notre culte. Et on va avoir des fidèles. Guide, l'amour m'est tombé dessus. C'est formidable. Mais à Sally, c'est à peine que j'existe. Pourriez-vous cueillir 10 fleurs dans les bois sombres que je puisse lui offrir? Bien sûr, Clyde. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez me rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. On l'accepte. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez me rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Ne bouge pas. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. J'accepte. Maintenant, je dois trouver le courage de lui dire ce que je ressens. Ne bouge pas. Et je vous en prie, ne me jugez pas, mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments. Pouvez-vous m'en préparer un? Bien sûr, mon petit virus. J'accepte. Ne bouge pas. Croyez en moi, adepte. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. Croyez en moi, adepte. J'accepte. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Ne bouge pas. Préparons-lui un plat à base d'excréments.
dis donc, à Sally, ça se fait pas, hein. Je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Il accepte. Je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. J'accepte. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. J'accepte. Quelle chance que notre guide ait un tel sens de l'humour. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Allô, bonjour. Oh, la musique trop bien. Je vous laisse profiter. Allô, bonjour. C'est la folie dans le chat aujourd'hui. Salut Gala, ça va? Coucou Altar. Vous avez passé une bonne journée. Bonjour, bonjour, installez-vous. Je finis mon petit morceau de pain. Je suis à vous. Oui, ça va. J'ai passé plutôt une bonne journée en soi. Rien à signaler. Ah mince, t'es au bout, Gabriel, physiquement. Courage. Bon, 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 bah j'espère qu'en tout cas ça va bien, vous avez passé une bonne journée. Ce stream risque d'être soit court, soit mouvementé, soit les deux. J'ai kiné à 17h30, on allait faire des étirements, des gainages, mon corps il a dit non. Oh là là, j'imagine bien, ouais. Donc pose-toi, repose-toi, si t'as de quoi faire du chaud et du froid, profites-en. Et on va tenir compagnie un petit peu. Donc ce stream risque d'être soit court, soit mouvementé, soit les deux. notre porte d'entrée de l'appart a été repeinte aujourd'hui. Mais qui dit peinture et porte d'entrée dit faut laisser la porte ouverte. Et j'ai 3 chats. Je sais pas si j'ai besoin de donner plus d'explications. Mais du coup, les 3 chats sont confinés en bas. Alors, Halloween et Biscuit, ils ont pas mouffeté de la journée. Ils dorment, ils font leur vie et tout. Mais alors, par contre, Chance. Voilà. Donc, on a fait des barricades en empilant des boîtes dans les escaliers. On a mis du papier d'alu devant, comme ça on l'entend s'il essaye de passer aussi. Mais je suis en mission attraper le... Enfin, me lever super vite et aller courir pour attraper le chat s'il essaie de sortir. Donc, je ne réponds plus de rien si on entend mon chéri gueuler que Chance est passé à travers la barricade. Je sais qu'il prévoit Prison Break depuis ce matin. Donc voilà, vous m'excuserez si je dois partir très vite. Mais aussi, du coup, je vais pas faire un très très long stream parce que je peux pas laisser mon chéri gérer les 3 chats tout seul en bas, surtout si Chance décide de faire le relou. C'est pas cool. Donc du coup, on fait un petit stream et puis voilà, on passe un petit moment ensemble et puis après je vais descendre l'aider quand même, le pauvre. Déjà qu'il a dû s'en occuper tout seul toute la journée, parce que moi j'étais en haut du coup pour bosser. Donc voilà, mais... voilà, et aussi du coup j'ai qu'un seul écouteur.
Parce que en fait, bah, du coup, notre porte d'entrée, elle est ouverte quand même. Donc, il faut quand même que je garde un œil et une oreille si jamais... on sait jamais s'il y a des gens qui veulent rentrer, quoi. Voilà. Hello, James. Coucou, ça va ? Donc voilà, donc petit stream potentiellement mouvementé à cause de Chance qui déciderait de s'échapper, mais sinon voilà, sinon ça va en vrai, c'est cool. Donc, je vous propose sur ces bonnes paroles de lancer le jeu en fait, tout simplement. Because why not, hein. Hop. Voilà, normalement on a le son, normalement vous avez l'image également. Donc normalement, tout va bien, on est prêt à se lancer. Ok. Alors, du coup, bah, on continue. On a 17,51%. 4 heures de jeu. C'est pas dégueu. On a récupéré le dash. On a récupéré l'arc. Exactement, Altar, tout à fait. J'ai fait un peu de recherche tout à l'heure parce qu'on en parlait avec ma collègue. Du coup, hier soir, le nouveau Prince of Persia qui a été annoncé, effectivement, est développé par un studio bordelais qui s'appelle Evil Motion... Merde. J'ai envie de dire Evil Motion, mais c'est pas ça. C'est ce que je pense à Motion Twin, du coup, les développeurs de Dead Cells. Rogue, Prince of Persia... je vais y arriver. Evil Empire, voilà, c'est ça. Donc Evil Empire, qui sont basés à Bordeaux, et qui sont du coup en étroite collaboration avec Ubisoft, parce que du coup la licence Prince of Persia appartient à Ubisoft. Et voilà, donc du coup Evil Empire qui également sont, donc ouais c'est ça, des anciens de Motion Twin, le studio derrière Dead Cells, et Evil Empire c'est eux qui sont responsables de toutes les mises à jour de Dead Cells, et aussi du portage sur PS5 il me semble, donc voilà, donc j'ai reçu un mail, non j'ai vu un tweet, je sais plus, le early access du nouveau Prince of Persia sort le 14 mai, il me semble. Donc voilà. Alors, où sommes-nous et que faisons-nous ? Donc, on a débloqué les téléporteurs. Donc maintenant, on peut aller là. Alors, je sais que j'avais dit, oh, je retournerai là-bas pour continuer. Donc, je pense que l'idée, c'est d'aller en haut. Je sais pas s'il faut que je retourne ici. C'est un donneur de quête. Peut-être qu'on peut retourner là, voir ce qui se passe. Juste pour reprendre un peu le jeu en main. Ah, j'ai également acheté la map. Pour cette zone. Ah, c'est pas là. Ah non, c'est pas là. C'est plus haut. Ah ouais, là, on peut pas passer. Oui, c'est là. Voilà, donc j'ai débloqué quand même pas mal de trucs. Ah, des sous. Bah, let's go. Ah si, on a débloqué quelques... deux lignes. Très bien. Ok, bah écoutez, on va continuer à chercher ce qu'il faut chercher. Je vous propose qu'on aille au téléporteur et qu'on se téléporte du coup ici.
Et on va continuer à voir si on peut monter. Je pense. Parce que du coup, les quêtes principales, aller vers l'ouest. Donc je pense qu'on peut faire ça. Faisons ça. Mince. M'embête, hein. Ok. Oui, elle veut me vendre des indices, mais ça sert à rien. Téléporteur au quartier des Érudits. C'est vrai qu'on a quand même vachement bien avancé la dernière fois. Hein. Hop, on va prendre cet arbre là au cas où on meurt. J'ai de nouvelles amulettes ? Après une parade réussie. Ah oui. Mais du coup non, je n'ai pas besoin de porter ça. Je me suis trompée. Ok. Je suis définitivement pas passée par là pour l'instant. Doucement avec le prince. Oh. Anaïta, je te connais. Tu es fidèle à la couronne. Qu'est-ce qu'il se passe? On a encore du chemin à faire. Vous avez bien le son et l'image, hein, rassurez-moi. Attendez! Je connais cet attrait. Anaïta! Arrête! Occupez-vous de lui! Super. Ok, je vais mourir. Parce que j'essayais de faire un truc que j'ai pas pu faire parce qu'il y a un cooldown en fait. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ouais, j'ai de l'aide. Ils étaient juste au-dessus à l'instant. Je vois. Ils ont dû monter vers l'ouest. C'est étrange. C'est un vrai labyrinthe. Mais j'ai l'impression d'être déjà venu par ici. Aram ? Ça va ? Oui. Oui, ça va bien. Tiens, prends ça. Je ne veux perdre aucun d'entre vous ici. Ouais, un cadeau ! Nouvelle obtenue. Nouvelle amulette. Danseur au sabre permet de réaliser une quatrième attaque à la fin d'un enchaînement standard. Appuyez sur carré précisément quand la troisième attaque frappe l'ennemi. Équipez des amulettes. Continue vers la porte du Simorgue. Je te rejoins là-haut.
Ok. Archives sacrées. Ces murs abritent une vaste collection de recherches scientifiques et culturelles du monde entier. Ces archives contiennent d'innombrables connaissances sur les dieux et les créatures du monde passé et présent. Tous ceux en quête de savoir ont le droit d'accéder à ces informations. Décret officiel du roi Darius le Grand. Pendant des siècles, le mont Kaf fut un lieu accueillant. Sous le règne du roi Darius, le monde entier visitait la citadelle de la connaissance. Face aux menaces croissantes, le roi demanda à son architecte de concevoir des fortifications élaborées. Bien après la mort du roi, l'architecte Mariam, rendu folle par la malédiction, continue de développer la cité. Bonjour. Il arrive. Qui ça, il? Il veut nous enfermer. C'est qui, il? Oh, what? C'est trop bien! J'adore. Oh, tu m'as trouvé. Mais je n'étais pas perdu, tu sais. Bonjour. Du coup, on a une nouvelle amulette qui nous permet de faire une attaque en plus. Je veux les mêmes chez moi. Mais ouais, grave! Qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être virer ça. Je peux faire ça. Hello, Silent, ça va? Il y a beaucoup de nouveaux venus ces temps-ci. Comme moi, tu veux dire? Est-ce que tu as vu une femme portant des insignes de général? Vu? Non. Mais les racines sentent les vibrations à travers le mont Kaf. Non, pas cool, pas cool. Les heures sup, Silent, j'espère que ça va. Oui, ça va. Ça va, ça va. J'ai expliqué au chat tout à l'heure que ce stream risque d'être court et ou mouvementé. Parce que le peintre a repeint notre porte d'entrée aujourd'hui, sauf que qui dit peinture et porte d'entrée et trois chats, dit pas compatible. Et donc, on a la porte d'entrée ouverte. Et voilà. Elle sait, Silent. Mais c'est surtout que du coup, on a dû barricader les chats en bas. Donc, on a fait une montagne de cartons dans les escaliers. Mais bon, tu connais Chance. Il a même fait de la poutre sur les plinthes pour réussir à passer. Il nous a fait une Mufasa aussi tout à l'heure où il était accroché toute griffe dehors au carton à deux doigts de tomber. Enfin, bref. Voilà, et donc on a mis du papier d'alu sur les marches pour faire une alerte à chat, en fait, une alarme à chat. Mais donc je suis en mission attraper Chance s'il arrive à passer. Et surtout, il faut que j'aille relever mon chéri bientôt parce que le pauvre, voilà, il a géré les chats toute la journée, c'est pas cool. Donc voilà, donc je suis là quand même un petit peu, mais pas pour très très longtemps, je pense. Ah. Donc tu ne sais pas qui ça peut être. Elle presse le jeune homme. Elle le pousse et le bouscule. Le Wakwak ne la comprend pas. Le jeune homme est une âme sensible. Quelle aventure, non mais je m'en parle pas. Gentille. Le Wakwak aime celle-ci. Par contre, le peintre a repeint... Je sais pas si t'avais vu... Je me souviens plus quand t'es venu s'il y avait... Si il y avait déjà les nouveaux volets où ils avaient tout arraché et la peinture était dégueulasse, du coup il a repeint ça aussi le peintre dans le bureau, donc je suis contente parce que maintenant ça fait tout joli et tout propre. Salut Nierla. Ronron sur toi aussi. Donc voilà, donc on a une nouvelle porte toute belle qui brille et des nouveaux murs dans le bureau, ça fait plaisir.
Sois discret. Le geôlier entend la moindre respiration. Il a toujours été là? Il est là depuis le règne de Darius? Tant qu'il y aura des crimes, il y aura des châtiments. Mais un esprit corrompu déforme tout ce qu'il voit. Oui, je comprends. Son âme est perdue. Même si le temps était réparé, lui et sa vision de la justice resteraient tordus. Sois discret, Sargon. J'essaierai. J'ai pas tout compris, mais il devrait savoir que la discrétion, c'est pourtant pas mon truc. Quelqu'un peut le prévenir ? Non mais... Je me descends ! Ah, je peux pas. Ah oui, bah c'est une autre façon de descendre. Silence ! Il a quitté sa prison. Je me suis trompée des modes, mais ça marche effectivement. Salut Jojo, ça va bien ? Jojo, il faut que tu m'envoies un message pour me dire sur quelle plateforme tu veux... ta récompense du raffle. Mais qui ? Il est sûrement en train de vous traquer. Mais c'est qui, il ? Il veut pas me dire, le monsieur. Et du coup, je peux pas redescendre, en fait. Ha ! Je t'ai eu. Je les ai tous eus. Je les ai grugés. Ok, donc il y a le... on peut aller là, ou sinon il faut... Oh, je vais quand même remonter en haut. Je vais quand même remonter, pas besoin de dire en haut. Pour lire ça. Autrefois scribe, Benham fut nommé par le roi et investi de la fonction de gardien de la connaissance. Pendant des années, il a fait preuve d'une dévotion aussi implacable qu'impitoyable. Malgré la mort du roi et la malédiction, Benham continue d'arpenter inlassablement les archives et persuadé de servir la justice. Ah. Ça va et toi ? Bonne journée, Jojo. Ah, c'est lui. Ah bah... Oh non. Bah, les pauvres... Bah... Non mais... Bah, ça se fait pas. Je suis allée me balader en forêt après la journée de boulot, ça fait du bien. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est trop bien ça. Bon, je... Je suis à vous tout de suite. Je joue juste... Une nouvelle boîte de dattes. Je les mange à un rythme incroyable. Ok. Ce lieu est aujourd'hui une prison. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre. Moi, oui. Ça fait des siècles que je suis à genoux. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire ici. Il y a trop de monde maintenant ici. Ah. Non, bah d'accord.
Une petite heure en forêt, je me suis posée sur un rocher seul à regarder la rivière avec les oiseaux et le soleil. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est trop cool, hein. C'est un vrai labyrinthe par ici. Ok, où qu'on va déjà, hein? C'est quoi ça? D'abord un horrible cri, puis un éclat aveuglant, et depuis le silence. Avant le règne du roi Darius, il n'y avait pas de justice, seulement des châtiments. Sous le règne du roi Darius, les lois devinrent équitables et justes, cependant la prison restait une nécessité. Ok ? Oui, on va s'hydrater, c'est une très bonne idée, ça James, hydratez-vous chez vous, bien sûr, buvez de l'eau. Important. Ok. Pas. Ok, je reviendrai. Oui. Non. Y a un truc avec ça, c'est sûr. Mais quoi ?
Il est parti. Ne te fais pas repérer. Ah, le cueilleur de lune. Oh, on dirait un petit peu le sosie du streamer tonton quand même. Tu peux sortir. Tu m'as trouvé grâce à la marque que j'avais laissée. Oh, tu arrives au bon moment. Non, pas vraiment. Tu as des ennuis ? Des ennuis ? Non, non. J'étais en train de récupérer juste des morceaux volés de la lune. C'est lui qui double ? Non, je sais pas, peut-être. Je pense pas. La lune a été volée ? Tu suis ton chemin, je le vois bien. Par contre, aurais-tu la curiosité Mais c'est l'expression de son visage, je crois. Des voleurs ont réduit la lune en morceaux. Et l'ont fait disparaître du ciel. C'est une quête secondaire, ça. Alors, je me suis lancé en quête de la vraie lune. Lève les yeux. J'ai vu la lune des tas de fois. J'ai cru que Chance avait tenté une échappée quand t'as crié « Ah non, tu le sauras quand s'il tente une vraie échappée. » C'est une illusion. Ça va être le chaos total. Pour que ceux qui l'ont volée puissent la garder pour eux. Pas sûr que je puisse t'aider. On ne voit pas la même chose. La deuxième vision de... C'est quoi que tu veux dire, James ? J'ai pas compris. Pourtant, tu dois admettre que notre rencontre est le résultat d'événements improbables. Non, c'est ma mission pour le royaume qui m'a amené jusqu'ici. Le royaume. Oui, ça compte pour certains. Mais la lune, elle est pour tous. Si j'ai des problèmes, je te laisserai cette marque. Tu sauras que j'ai besoin d'aide. Aide-moi à rassembler ces morceaux. Le ciel étoilé a besoin de nous. Tu verras que ce n'est pas une histoire de fou. Aucun défi ne peut me détourner de mon but. Prends ça. Il y en aura d'autres. Tu verras. Ok, protège juste une fois d'un coup mortel en restaurant une petite quantité de santé. Ok. Ce n'est pas un morceau de la lune ? La vraie lune n'appartient à personne. Je vois. Eh bien, fais attention à toi. C'est dangereux par ici. C'est bien vrai. Je ne suis pas un guerrier comme toi. Eh bien, nous voilà partenaires. Retrouve-moi. La lune et moi te guiderons jusqu'au prochain morceau. Ok, bizarre. Tu l'as utilisé tout à l'heure. J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Ah si, ça a... Ah non ! Non. Je prends cher, hein. C'est possible que j'oublie des trucs, hein. Des fois j'oublie la moitié de ce qui se passe dans un jeu. Je vous le rappelle. Des fois elle oublie qu'elle a un dash. C'est ça. Bon, écoutez, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, j'ai pas tout compris. J'ai quel pouvoir ? L'arc et le dash. Je crois que c'est tout. Enfin, l'arc et le chakram. Quand autour de toi c'est noir. Attends, mais je suis paumée.
De quoi? Il manque un... Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je pense que potentiellement... J'ai pas encore ce que tu parles, James, parce que je crois pas que j'ai d'autres pouvoirs. Non, non, t'inquiète, y a pas de problème. Pas de soucis. Mais oui, je crois qu'effectivement, j'ai pas encore ce dont tu parles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On est allé tout là-bas. Bah, il faut qu'on monte maintenant. Il est loin l'arbre ou pas? Ah ouais, il est méga loin, il doit y en avoir un pas loin. Et il me fait trop peur, lui. Il doit y avoir un arbre là. Non mais merde, il fait trop peur, lui. Ok, je peux pas y aller. Super. Ok. Bon, c'est ça que je voulais déjà. Après, maintenant, je vais pouvoir explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Let's go! Le TP! Ok. Ah, c'est fermé. Ok, donc du coup j'ai pas le choix. Il vaut mieux que j'aille par en bas là. Non, effectivement, je pense qu'en fait on peut pas le battre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah. Ah!
Mais il fait trop peur. Attendez, mais il faut que j'aille voir s'il y a un truc en haut. Il y a du loot. C'est important quand même. Non. Ah. 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 Seul, seul, seul. Ah, super. Chaîne brisée, les voleurs ou parfois les simples visiteurs sévèrement punis, les plus chanceux parviennent à s'échapper. C'est intéressant ce principe de... C'est marrant. T'sais. Principe de si tu te fais choper, si tu te fais choper par le méchant, tu tombes en prison. Alors on est où là? Ok, on est dans les catacombes. Une armée s'approche pour attaquer, ils ne nous laisseront pas partir sans combattre. Ah mais tiens, regardez, c'est la même chose. En fait, il me scanne pour savoir si j'ai la clé, mais j'ai pas la clé. En fait, je pense que c'est ça. Et monsieur ? Désolé, j'aurais peut-être pas dû le battre, le pauvre. Ok, donc là, là je peux pas passer. En bas je peux pas passer non plus. Bah, ça doit être le grand méchant qui a la clé, je pense. J'imagine. Ok, donc la sortie ça doit être en haut. Ce gros labyrinthe. D'où il est sorti lui, mais il est sorti. J'imagine que là c'est la même chose. Toujours pas. Où le loot? Vous pouvez TP où ça? Non, pas ici, je crois pas. Hein. Mon TP, il est là. Mais tu peux, je crois que tu peux TP que quand t'es devant un téléporteur, en fait. Hello Logrienne, ça va bien? Ok, donc là, il faut qu'on monte. On n'a pas le choix. Ah merde, mince, je peux pas lui ouvrir. Oh, non mais dis donc. Ça se fait pas, hein. Ok, donc. Ah mais, non mais... Moi je suis sympa, j'ouvre la porte et tout, et l'autre il m'attaque. C'est un petit peu abusé. Hein. Kling clang, les clés du geôlier, si j'arrive à mettre la main dessus, à moi la liberté. Là je ne suis pas assez fort pour le vaincre, oui donc c'est ça. Il faut effectivement...
Ce jeu était dans le stream hier des joueurs des... Alors non, c'est une autre version. C'est un nouveau jeu fait par un studio différent. Mais c'est effectivement un stream... Enfin, un jeu Prince of Persia aussi. Mais donc, le même licence, mais studio différent. Et il est complètement différent au niveau du visuel et tout. Je peux pas leur passer. Je peux pas leur passer dessous à eux. Putain, ça fait vraiment très bizarre d'être à moitié dans le couloir avec la porte ouverte. Ça prévient pas quand ça arrive. Ah! Ok. Ah, donc là, si je veux, je peux sortir. Mais, moi... Ce que je veux, c'est le loot, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas tiré les flèches? Me demandez pas, j'en sais rien. Je ne sais pas moi-même. J'oublie. 200 balles! Bah vas-y, je prends. Pourquoi? Je sais pas. Bon, on va passer par là, parce que de toute façon... Une petite partie non explorée ici, là. Et c'est par là qu'on est mort, hein, je crois. Rebelle. Ok, d'accord. J'étais en fait... J'avais pas encore exploré par ici. Très bien. Oui, ok, je vois. Ici, bah, on va aller sauvegarder là, puis il faut qu'on remonte en haut là. Hein. C'est par là qu'on était, je crois. Mais c'est que c'est pas plus rapide de se TP justement, comme James dit. Si, hein. Si je descends là. Ah. Eh ben non. Pas le droit. C'était une bonne idée, mais... Mais c'est non. Alors, hop. Je crois qu'on est mort ici, nous, non? Mais à ce rythme-là, autant que j'aille me soigner, en fait. Je pense. C'est quand même plus sage. Parce que là, du coup, en fait... Je peux pas passer.
Là, j'ai vraiment pas le choix, il faut que je passe en bas. T'as des grandes tentacules, dis donc, James. Ok, donc... Bon, en vrai... Ouh, j'avais looté, donc c'est bon. Je peux continuer par là. Oh, mais tu roules ? Tu roules, toi ? Ce que je leur dis aux gens qui m'embêtent. Bim. Ça aurait été peut-être plus intelligent de descendre avant de monter, mais c'est pas grave aussi. Hier soir, j'ai acheté un ticket avec ma jumelle pour rendre visite à mes cousins aux États-Unis en juillet. Trop bien! Oh là là! New York, c'est trop cool! J'ai habité là-bas pendant un moment. Tu nous raconteras, hein? Tu nous raconteras. Un jour, je retournerai là-bas. Pardon, excusez-moi, je me laisse distraire. Putain, la violence de la fermeture de cette porte d'entrée. Ah, incroyable. Alors, j'aurais pas dû manger une date juste avant de lire un truc. Ils habitent à New Jersey. Oui, c'est facile, c'est juste un arrêt de train entre les deux. Tous s'agenouilleront devant la grandeur de l'Empire. Tous s'agenouilleront devant la grandeur de l'Empire. Tous s'agenouilleront devant la grandeur de l'Empire. Ouais, il y a un ferry aussi, c'est vrai. Mais c'est très facile. Ah, mais je peux descendre en fait. Ah bah j'ai bien fait de pas... De pas descendre à pied. Ça aurait été problématique. Ah! Splooch. Ok. C'est mieux. C'est mieux quand on n'oublie pas qu'on a des flèches. En vrai. Moi aussi, ça fait longtemps en même temps le train, mais c'est vrai que ouais, je crois que c'est assez rapide. Hein. Oh là là, le loot! Oh ouais, un emplacement de charme! I'd show up. Oh, dis donc! Allez, je vais manger et regarder la série Fallout. Bonne soirée. Des bisous, Virox, merci beaucoup pour ton resub 35 mois. Incroyable. Merci énormément, j'espère que tu vas kiffer la série Fallout. Amuse-toi bien et bon appétit. J'espère qu'il y aura un endroit avec Jazz que je peux visiter. Oui, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes.
Eh bah dis donc. Elle va peut-être me vendre la carte. La vision dont je te parlais fait comme les cloches, mais sans les cloches. Ah, cool, ok. Ah bah oui, du coup, effectivement, ça me paraît logique. Salut, Sargon. 50 balles pour la carte de la zone. Let's Prête-moi go. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. Ah oui. Ah oui. Ah bah on n'a pas fini les petits cocos, hein. Effectivement. Merde. Bon, bah comme ça. Bah re alors hein. On repart. Heureusement qu'on a le GPS et Google Maps. Ah bah ça, c'est sûr. Ah mais ça, je peux vraiment pas passer par là en fait. Ah mais si, je peux en fait. Ou pas. Non, en fait, je peux pas. Non. Utiliser toutes ces flèches, ça, c'est fait. Mais là, je peux monter en fait. Au lieu de descendre. C'est peut-être pas plus mal, c'est plus rapide. Vu qu'en fait, je suis mort juste. Là, je suis mort juste là, en fait. Ah bah oui, ils rentrent. Mais tire-leur des flèches. C'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe par... On va aller débloquer ça, non? Plusieurs années après la malédiction, on commença à parler des trésors cachés. Si ces coffres existent, ils sont probablement l'œuvre de l'architecte Mariam. On dit qu'elle continue à créer le labyrinthe urbain malgré ses souvenirs brisés. Si c'est vrai, peut-être que chaque trésor trouvé contribuera à restaurer la mémoire de cette ancienne génie. On va s'occuper de lui, là. Trop
J'arrive pas. Moi non plus, j'ai pas compris l'histoire du jeu à l'Ukraine et pourtant c'est moi qui joue depuis le début. Donc t'inquiète. T'es pas seul. Let's go. Lingot de Damas Azur. Ah, ça c'est bien pour améliorer ses armes. Oh, il y a trop de monde maintenant ici. Ok. Je pense qu'il y a nulle part d'autre où aller. Hein. Je pense que là j'ai exploré, donc bah du coup il faut qu'on aille. Ah. Ça m'a amusé la première fois et maintenant c'est bon quoi. Là ça me fait moins rire. C'est vrai que j'ai ouvert ma porte. C'est si loin. C'est le cas beaucoup pour moi. Quand j'ai commencé le premier jeu de Dark Souls, j'avais cliqué ma manette pendant le petit film d'histoire, la cinématique. Pour longtemps, j'ai pas connu ça. Ouais, bah, après, ça arrive beaucoup sur les jeux où la narration, c'est pas le point principal du jeu. Donc... l'histoire, c'est le prince qui s'est fait enlever, il faut le sauver. Oui, c'est ça. En fait, son ami, le prince, s'est fait enlever par la personne qui a élevé... Donc, nous, on s'appelle Sargon. Et on a été élevé par une conseillère du roi ou je sais plus trop quoi. Et en fait, elle a enlevé le prince et on sait pas pourquoi. Et donc, le but, c'est qu'on essaie de le sauver, en fait. Voilà. Et là, on est dans un espèce d'endroit qui défie les lois du temps. Et donc, tous les gens qu'on rencontre, en fait, ils sont coincés là depuis au moins 30 ans. Sauf nous, on est le seul qui est encore... Enfin, qui se souvient de tout, quoi. Ça marche, James, pan up. Ah oui, bah, je suis morte juste là, mais sauf que je peux pas y aller.
Pour le net, je connais pas l'histoire vraiment, mais je dois regarder une vidéo sur le lore. Oh oui. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos sur le lore, et même avec les vidéos, c'est compliqué à comprendre. On en pense quoi? On réessaye de passer par là quand même pour ouvrir le raccourci, parce que sinon, ça va être trop loin. Ok, donc là on a ouvert un raccourci. Mais il y en a un autre. Merde, je peux pas y aller par là. Ok, bon, j'ai compris comment éviter le gardien déjà, c'est pas mal. Bon app. Pour Dark Souls, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais je préfère Hollow Knight. Ouais, il faut... Il y a vraiment des vidéos très très bien sur le lore de HK. Nouveau charme. Enfin, amulette, pardon. Augmente faiblement la puissance des attaques standards à l'épée. Cool. Ok, donc là on vient d'ouvrir des raccourcis. Merde. Laisse-moi tranquille. Une plume luminescente irradiante, une pièce de sa lumière ardente. Je pense que c'est de ça qu'il parlait, James. Ce qui est caché est révélé aux intuitifs et passionnés. Ça se remet pas en haut. Ah si. Ah bah oui, surtout avancer le song, c'est clair. Ok, bah je peux pas passer par là du coup.
Oh, tu m'embêtes. Et en fait, j'ai compris comment il fallait que je le tue. Il faut que je récupère cette espèce de... de plume. Elle dit des injures. La streameuse, elle jure beaucoup, ouais. Oh, j'ai mal au dos. Il doit y avoir un... Mais du loot. No cursing. Wow. Ah bah bravo. Maintenant il faut que je fasse attention à ce que je dise en plus. En parlant de dos, j'ai mis une ceinture aujourd'hui au boulot. J'ai pas mal au dos, je vais peut-être la garder. Ah bah c'est une bonne idée, ouais. Tant mieux si tu trouves une... si t'as une solution. Ça c'est chouette. Oh, la satisfaction du truc. Je vais aller chercher l'arbre avant de continuer. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ah oui, c'est vrai que j'ai un nouvel emplacement. Et ben sinon, je peux enlever... Ça, je pense, pour mettre plus d'attaque. Comme ça, on tape plus fort. Et donc là, j'imagine que je ne peux rien faire puisque je n'ai pas le pouvoir. On reviendra. Ah non, c'était là que je voulais aller. Ah! Ah zut! Ouais, le loot! Ah mince! Ben on repassera. Comment on fait pour avoir le pouvoir là? Là peut-être. Il va y avoir un combat de boss ou un truc comme ça, non?
Les protecteurs de la Perse, ces guerriers d'élite protègent la Perse depuis des siècles. Ah, c'est les immortels. Bien entraînés au combat et à la stratégie, cette force d'élite est considérée comme invincible. Leur simple présence sur le champ de bataille suffit à faire fuir les ennemis. C'est nous ! C'est moi et mes copains. Sans le boss. Ah, c'est moi ! Cette citadelle est vraiment maudite. Ou plus vrai, une meilleure version. Ça, c'est pas encore écrit. Oui, je te permets pas. Nous partageons le même but. Mais moi seul peux réussir. Donne-moi tes pouvoirs. Il tape fort. Ouais, boum. Nice. Éclat d'Atra débloqué. Esprit de Shabazz. Lance une puissante attaque croisée au-dessus de Sargon. Très utile contre les ennemis volants. Peut être déclenché depuis le sol ou dans les airs. Ok, cool. Ok, donc c'était pas le boss. Mais ah mince. Je me suis un peu emballée là. On va passer par là du coup. Alors attendez, parce que qu'est-ce que j'ai raté? Ah, je suis pas allée là. Mais pour y aller, il faut que j'y aille par en bas. Du coup. Je suis presque sûre qu'ici c'était bloqué. Elle est là non plus. Le roi Darius. Le roi Darius avait divisé le pays en provinces appelées satrapies. Des satrapes loyaux avaient été chargés de gouverner ces régions. Ces satrapes furent les premières victimes des assassins. Alors, non, le but c'était justement de pas tomber en fait. On entre dans une autre zone, donc c'est pas ça moi que je veux. À moins que... À moins que il faille... Ma théorie. Qu'on va aller tester maintenant, et si c'est pas ça, je m'arrêterai pour aujourd'hui, on cherchera la semaine prochaine. C'est qu'en fait, on puisse taper sur le grand méchant qui nous envoie en prison, là. Et quand il devient transparent, on sonne une cloche et on le brise comme ça. Parce que si on sonne une cloche, il devient bleu. Je sais pas si j'ai raison, mais ça... C'est pas par là qu'il faut. Ça vaut potentiellement le coup d'essayer. Ça se tente. Parce que il est dans une salle où justement, effectivement,
qu'il y a des cloches. Déjà s'occuper de celui-là. Pas ça, donc et ben je sais pas ce qu'il faut faire. Donc moi je pense qu'il y a un truc à faire ici. Je peux pas aller là. Là c'est pour descendre ici, effectivement. En fait, je sais pas où se trouve le pouvoir. Je suis un peu bloquée. C'est bien ce que je pensais, je ne peux point y aller. Donc les amis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai bien compris qu'il fallait que je chope le pouvoir de cette zone-là. Mais je n'ai pas compris comment. Ni où d'ailleurs. Donc, je vais m'arrêter là. Ce petit stream, tout petit. Est-ce que là, ça passe pas. Et je vous propose qu'on continue la semaine prochaine. Ah, t'as une info, vas-y. Vas-y, donne. Je prends. Ouais, c'est ce que je pensais. Il me faut le pouvoir qui, effectivement, me permet de faire la même chose que les cloches.
mais sans les cloches. Mais c'est là où j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait le trouver, en fait, ce pouvoir. J'ai l'impression d'avoir été partout où je pouvais aller sur la map. Onduril. Salut. Bonsoir. C'est pas encore. Ok. Et ben dans ce cas-là, on s'arrête là et puis j'irai explorer une autre map. Et on verra. Et on verra tout ça plus tard. C'est très bien. Moi, comme ça, on s'est arrêté à un arbre. C'est parfait. Je me souviens plus si ça sauvegarde tout seul. Je crois que oui. Marqué en haut de la carte. Traverser les pour atteindre la haute citadelle. Ah oui, c'est vrai. Et ben. Ouais, bah, let's go. J'avais réussi du coup. Et ben, on y retournera la semaine prochaine. Merci, j'avais pas vu. Very well. Et bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer. Et j'ai pas lu, bah, moi non plus, apparemment. Donc, pourtant, on a mis une ce genre d'informations. Je passe pas trop à côté, mais bon, ça c'est pas très très grave. Bah de rien, c'était cool, c'était court, mais c'était très chouette. Et puis bah je vous dis rendez-vous lundi, je pense, normalement. Et puis bah on continuera Steel Rising, et puis voilà. Mais en tout cas c'était très cool de se retrouver un petit moment. Je pense que James va être déçu que je sois partie pendant qu'il n'est pas là, mais tant pis. Je lui enverrai un petit message. Merci à tous d'avoir été là. En tout cas, ce soir, comme d'habitude, merci d'être au rendez-vous tous les soirs. Rendez-vous lundi pour la suite de nos aventures sur Steel Rising. Et en attendant, je vous envoie chez qui est là. Mais Nymeria est revenue, elle était là toute la journée, elle vient de relancer. Incroyable. Mais je l'ai déjà raid hier, donc on va pas faire ça. On va plutôt aller chez... bah je sais pas. On va chez Arco. Il est sur Horizon, le DLC, Horizon Zero Dawn, le DLC, voilà. Je vous envoie chez Arco. Prenez soin de vous, reposez-vous, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, bon week-end, et bye bye tout le monde.